Le mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de rendre hommage aux personnalités afro-descendantes qui ont marqué l'histoire. C'est aussi le moment de mettre en lumière les conditions socio-économiques des Noirs au Canada. Dans cette optique, Éco-Ambassadeur vous invite à participer à sa série de 3 conférences virtuelles du 27 février au 6 mars 2021 sur le racisme, l'équité et l'antiracisme dans l'éducation en Ontario. Saisissez donc cette opportunité pour partager votre expérience et proposer des pistes de solutions concrètes. Inscrivez-vous dès maintenant à ecoambassadeur.eventbrite.ca. Ensemble, engageons-nous dans un dialogue pertinent et constructif pour aller vers une véritable transformation. Bonjour à tous, je suis Yves Dantu, directeur général d'Éco-Ambassadeur. Je vous dis toutes nos excuses pour ce retard à commencer cette discussion de ce samedi. La troisième discussion et la série des 3 discussions que nous avons commencées depuis le 27 février. Toutes nos excuses encore. Alors, sans plus tarder, je souhaiterais dire un petit mot par rapport au territoire sur lequel je me trouve en ce moment. Pickering se trouve sur les terres du traité du territoire traditionnel des Mississauga et de la Première Nation Scugog et des traités signataires Williams des Nations Mississauga et Chippewa. Mesdames, Messieurs, le mois de l'histoire des Noirs, c'est l'occasion de reconnaître, n'est-ce pas, la contribution des Noirs à l'édification du Canada, une édification continue et une participation qui est toujours continue, une communauté dynamique ou des communautés dynamiques. C'est l'occasion aussi de se pencher sur les injustices que continuent de subir les Noirs dans la société. Elles sont nombreuses, ces injustices. Mais voyez-vous, dans le milieu de l'éducation, c'est un problème, c'est un défi, et nous pensons que nous sommes tous concernés. Nous sommes concernés, vous êtes concernés, tous les parents sont concernés, tous les systèmes éducatifs au Canada sont concernés. Aujourd'hui, nous avons une discussion avec les parents des élèves qui fréquentent les écoles en Ontario. Sans plus tarder, je vais dire merci à notre bailleur de fonds, Patrimoine canadien. Je dis merci aux 2 conseils scolaires qui ont bien voulu participer à cette série de discussions. Je dis merci aux panélistes. Le mois de l'histoire des Noirs pour nous ne s'arrête pas au mois de février. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Je passe la parole à Pamela, notre modératrice. Bonjour, je suis Pamela Kazekale. Il me fait grand plaisir d'animer cette discussion passionnante pour moi et tellement importante dans notre société canadienne. Et c'est d'autant plus un plaisir pour moi puisqu'il s'agit d'un autre angle du même débat que nous avons eu samedi dernier et mercredi soir, que vous pourrez toujours revoir d'ailleurs sur les plateformes et médias sociaux d'Éco-Ambassadeur. Alors, samedi passé, nous avons eu le plaisir de discuter avec des leaders communautaires et aînés. Mercredi, nous avons discuté avec des jeunes, notamment étudiants, avec à chaque fois une intervention appréciée de représentants de conseils scolaires. Alors, je me sens honorée comme francophone vivant en Saskatchewan d'être accueillie autour de cette table de discussion de la francophonie ontarienne et de l'immigration africaine particulièrement. Alors, l'Afrique... Le racisme, plutôt l'équité, l'antiracisme, des thèmes récurrents, malheureusement encore en 2021, n'est-ce pas? Et que nous décortiquons particulièrement relativement au système scolaire ontarien, dans un objectif d'y apporter une contribution à la construction d'un monde plus équitable pour tous. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir 3 parents, cette fois-ci, pour faire grandir cette discussion, et je vais vous les présenter sans tarder.
Alors, je suis aujourd'hui avec Olga Lambert. Elle est maman de deux grands garçons dans la vingtaine. Au cours des 25 dernières années, Olga Lambert a occupé des postes sur plusieurs conseils d'administration d'organismes à but non lucratif dans des domaines tels que la caisse populaire, le support aux femmes en situation de violence, le développement économique, les groupes ethniques culturels, le support aux survivants de cancer, etc. Il a été élu conseillère scolaire pendant 8 ans et a lancé plusieurs initiatives pour les jeunes. Alors, depuis 1995, Madame Lambert a fait du bénévolat auprès de Revenu Canada pour préparer gratuitement les déclarations d'impôts aux contribuables de la police elle siège présentement au Conseil consultatif de sécurité communautaire de la police de Durham. Alors, je serai également aujourd'hui avec Kimberley Jean-Farin. Elle est maman d'un garçon de 10 ans. Et elle est née dans la ville d'Écailles en Haïti. Elle émigre au Canada à l'âge de 12 ans et se fait une place dans la communauté franco-ontarienne. Elle est passionnée par l'éducation et elle a eu l'occasion de travailler avec des jeunes francophones d'un océan à l'autre. Alors, en tant que professionnelle de la gestion de projet accréditée par le Project Management Institute, elle se consacre à aider les établissements d'éducation et les étudiants à atteindre leurs objectifs. Bienvenue, Kimberley. Nous serons également avec Yannick Lefan, qui est père de 3 enfants de 10 ans, 8 ans et d'un bébé de 4 mois. Il est fondateur et PDG de Cassie Insight, principal fournisseur africain de données et d'indicateurs clés sur le comportement des consommateurs en Afrique. Alors, il est lauréat de 2019 de Quartz Africa Innovators. Il est titulaire d'une certification en gestion de risques professionnels et il est diplômé avec distinction en génie électrique. Alors, Yannick est également membre et mentor de l'Africa Expert Network et de l'Africa Business Academy. Bienvenue, Yannick. Alors, je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer à cette discussion. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par contextualiser le mois de l'histoire des Noirs, puisque cette conférence s'inscrit justement dans le mois de l'histoire des Noirs. Alors, je vais me tourner tout d'abord vers Olga Lambert. Alors, Olga, qu'est-ce que le mois de l'histoire des Noirs représente pour vous et pourquoi faudrait-il le souligner encore et encore? Ben, écoute, merci Pamela, excuse-moi. Merci aussi à mes confrères qui sont avec nous cet après-midi, Yannick et puis Kimberly. Je suis sûre que nous aurons une belle discussion. Alors, oui, pourquoi le mois de l'histoire des Noirs et pourquoi c'est seulement au mois de février de chaque année qu'on met l'emphase? C'est bien qu'au mois de février, on ait cette loupe un peu pour aller un peu plus loin. Mais pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est tous les jours. C'est tous les jours que le mois de l'histoire des Noirs devait avoir lieu, que ce soit à la maison, comme parents, que ce soit dans la communauté par une action, une activité qu'on fait, et surtout maintenant qu'on parle d'éducation à l'école. On n'a pas besoin d'attendre le mois de février pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Dans l'école, c'est à tout moment que l'enseignant, le professeur devrait parler de l'histoire des Noirs. Pas du mois de l'histoire des Noirs, mais de l'histoire des Noirs qui peut être introduit dans toutes sortes de matières que l'enseignant propose ou éduque ses élèves. Alors, au niveau de l'éducation, pour moi, c'est sans dire. Nous allons voir le gouvernement. Nous mettons en place des actions pour que le gouvernement reconnaisse ce mois-là, mais à notre niveau, comme parents, comme membres communautaires, comme enseignants, nous avons le devoir que l'histoire des Noirs doit être tout le temps et pas seulement à un moment donné de l'année où on prend la loupe pour faire un zoom dessus. Voilà un peu mon point de vue, parce que comme parent, c'est ce que je fais et que je continue à faire. Merci beaucoup, Olga. Alors, je vais me tourner vers Yannick Lefan.
Yannick, vous êtes à cheval entre le Canada et l'Afrique. Alors, je vais vous demander quels sont les noms d'hommes noirs qui ont impacté ou impactent encore le monde et que les élèves ontariens devraient absolument connaître, selon vous. Merci déjà de m'accueillir. Donc, je remercie Eco-Ambassadeur d'avoir organisé cette conférence, cette discussion. Merci aussi à tous les panélistes. Je me réjouis déjà de cette discussion avec vous. Donc, concernant votre question par rapport au noir que les jeunes devraient connaître et devraient s'inspirer, moi, je parlerai de noir, en fait, récent. C'est-à-dire que je vais regarder l'histoire récente pour que ça parle plus aux jeunes. Et moi, je prendrai un exemple du président des États-Unis, Barack Obama, qui a été un jeune élu à la présidence de la République d'un des plus grands pays. Donc, comment les jeunes peuvent s'inspirer de son parcours atypique, unique, comme enfant issu de minorités, et qui a donc gravi les échelons et arrivé jusqu'à la plus haute marche. Je pense que derrière ce parcours, il y a une histoire qui est récente, donc avec laquelle on peut facilement se connecter, les jeunes peuvent facilement se connecter. Il y a derrière cette histoire la discipline, il y a derrière cette histoire tous les combats auxquels il a dû faire face pour arriver au sommet. Il y a derrière cette histoire la possibilité le fait que tout est possible, même dans un pays comme les États-Unis. Et donc, c'est un exemple pour moi qui m'inspire, qui devrait aussi inspirer les jeunes. Alors, au Canada, on a plein d'exemples aussi de Noirs qui ont marqué l'histoire. Moi, je pense à monsieur, je ne me rappelle plus bien de son nom, mais il a beaucoup... Il y a eu un impact sur la communauté noire en poussant beaucoup ou en l'engagement politique au niveau de la communauté noire. Et donc, ça, c'est aussi un exemple que je pourrais mentionner. Merci beaucoup, Yannick. Alors, je vais me tourner vers Kimberly. Kimberly, en ayant fait une majeure partie de votre éducation ici au Canada, quel personnage historique vous a été mal présenté ou pas suffisamment explicite? Et dites-moi pourquoi? Mais tout d'abord, je suis très, très, très heureuse de pouvoir prendre part à ce débat et collaborer avec ces merveilleux panélistes. Donc, merci beaucoup de l'invitation. J'avoue que je ne peux pas nommer un personnage historique en particulier parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement et c'est un problème. Je pense qu'on peut... On peut avoir tendance à se cacher un peu derrière la diversité et, bon, célébrer que nos écoles ont des étudiants de 50 pays, avoir des drapeaux et on est diversifié, mais concrètement, au niveau des activités scolaires, au niveau des livres qu'on a choisis, au niveau des personnages qu'on met de l'avant, il n'y a pas autant de diversité. Et c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est important que à chaque fois qu'on parle de diversité, qu'on parle également d'inclusion, comment est-ce qu'on peut inclure justement tous les éléments de cette belle diversité dans nos curriculums, dans nos activités de salle de classe. Et je pense qu'au-delà des personnages historiques, bien sûr, qui sont très importants, c'est important de connaître notre histoire, même dans la réalité actuelle, dans le présent, il manque justement de ces modèles accessibles, de ces gens qui peuvent inspirer les étudiants noirs, une façon de se voir dans l'avenir, de penser à qui, à quelle carrière ou quel type de personne est-ce qu'il et elle peuvent être. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, Kimberly. Je pense qu'on va revenir sur ça. Alors, j'aimerais me tourner vers Olga. Olga, en tant qu'ancienne conseillère scolaire et parent, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en fait, qu'être parent d'enfants noirs dans le système scolaire francophone en Ontario? Et puis, qu'est-ce qui fait finalement votre particularité et
problème êtes-vous le plus amené à rencontrer spécifiquement en tant que parent d'enfants noirs? Et encore une fois, merci pour cette belle question, parce que mes enfants sont plus dans le système élémentaire ou secondaire, ils sont dans le système universitaire. Donc, évidemment, mon implication est moindre à ce niveau-là. Alors, si je peux comparer par mes contacts, parce que je suis encore active dans la communauté, mais excusez-moi, peut-être moins au niveau scolaire, je peux dire que, en termes un peu péjoratifs, j'ai beaucoup de peine pour les parents aujourd'hui parce que les défis semblent être plus grands au niveau scolaire ou bien peut-être plus visibles que dans le temps où mes enfants étaient à l'école. Quand j'ai déménagé dans la ville d'Ajax et les enfants étaient à l'élémentaire, ils étaient les seuls enfants noirs de l'école. Il y avait peut-être un ou deux autres enfants de couple mixte, mais comme enfants africains ou d'origine africaine, noirs, c'était les seuls. Donc, je peux dire personnellement que les défis n'étaient pas encore là à ce moment-là. Ils n'ont pas eu des défis visibles de racisme, peut-être jusqu'à arriver même au secondaire. Ajax, c'est une petite ville qui a développé comme une inclusion d'un seul coup. Alors, dans les années 95, je peux vous dire que c'était encore la campagne que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours. Alors, les défis étaient moindres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là et c'est pour ça que je dis j'ai de la peine pour les parents aujourd'hui parce que on dirait que plus le nombre de nos enfants sont dans les écoles, plus maintenant le problème devient plus visible. Quand j'ai été conseillère scolaire, c'était surtout dans le but de pouvoir aider la communauté à s'élargir, à amener des ressources pour tout le monde, puisque j'ai été élue pour tout le monde, mais aussi accompagner les parents immigrants comme moi qui s'installaient dans la région, tout simplement parce que je voyais les défis qu'ils avaient au niveau scolaire juste pour l'accompagnement des enfants de façon générale et plus tard les défis qu'ils pouvaient avoir au niveau du racisme. C'était surtout ça l'apport que je voulais amener et que j'ai dû mener. Vous savez qu'on est au niveau du conseil scolaire, on n'est plus juste nous, on représente toute une communauté, mais on a aussi les autres communautés. Donc, c'était plus au niveau politique, mais au niveau de la salle de classe, au niveau des ressources. J'étais là aussi pour les parents quand il y avait justement un problème avec un élève, comment les accompagner justement à naviguer au niveau du professeur, de la direction d'école, jusqu'à aller même au conseil scolaire pour pouvoir comprendre. Et moi, surtout, c'était l'éducation. Parce que si on n'éduquait pas l'enseignant, la direction, peut-être même le surintendant, on passait pas le message. Alors, c'était pas seulement l'élève, c'était surtout, et c'est ce que j'ai vu comme exemple que je devais faire. Je vais peut-être demander si Kimberly peut faire écho avec cela, puisque Kimberly, vous avez encore un jeune enfant quand même qui a 10 ans. Qu'est-ce que c'est être parent d'un jeune enfant noir aujourd'hui dans le système scolaire ontarien? Oui, merci. Je dois dire, c'est... Si je me fie sur mon expérience, l'expérience bon des gens près de moi qui sont aussi parents d'enfants noirs, je dois dire que c'est difficile, c'est très difficile et on pense que c'est aux États-Unis que ce genre de choses arrivent et c'est plus loin, c'est lorsqu'il sera en 12e année, c'est lorsqu'il sera au collège, mais non, c'est en première année que ça commence et les microagressions s'accumulent. Et c'est dur d'être parent et d'avoir son enfant de 6 ans pleurer, ne pas vouloir aller à l'école, alors que cet enfant adore les mathématiques, adore les sciences, adore socialiser, et que c'est justement les microagressions de l'école qui lui donnent une mauvaise image. Donc, je vous avoue que c'est une bataille que je n'aurais pas pensé avoir à mener en 2021.
Et je peux peut-être vous donner un petit exemple très, très concret de ces microagressions. Donc, j'ai mon fils en première année qui m'amène, bien sûr, des dessins à chaque jour, des pages et des pages, et qui m'amène un dessin une journée. C'est un dessin de moi et de lui dans une forêt, donc dans un parc. Et, bon, vous me voyez à l'écran, mais dans son dessin, j'ai la peau beige et j'ai les cheveux jaunes. Donc je me dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu m'as dessiné comme ça? Il n'avait jamais fait ça à la maison. J'ai trouvé ça vraiment louche. Et il me regarde tout bêtement. Il me dit, mais maman, c'est parce qu'il n'y a pas de crayon brun dans la classe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça m'a fait tellement de la peine. C'est triste qu'un petit détail, qu'il n'y a physiquement pas de crayon dans la classe, pour que mon fils de 6 ans puisse dessiner sa maman. C'est voilà, je pense que ça illustre bien la réalité des parents noirs. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez réagi à ça? Mais je peux vous dire que ça n'a pas été une solution facile. Il a fallu se rendre au superintendant pour justement résoudre la question, et c'est des gens du siège social qui ont dû acheter justement, parce qu'il y a toute une gamme. Moi, j'ai la peau très foncée, mais juste dans ce webinaire, on a toutes sortes de versions de couleurs. Donc, c'est pas d'avoir un couleur noire aux enfants, c'est d'avoir une variété de crayons qui justement représente la variété des enfants de la classe et des mamans de la classe et des papas de la classe. Ça semble être du bon sang, mais lorsqu'on est parent d'un enfant noir, le bon sang n'est pas aussi simple. Madame Olga, vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Oui, je voulais dire qu'elle a donné un parfait exemple de ce que je dis quand j'étais conseillère scolaire, qu'un exemple si simple, même quand on l'amènerait à la direction ou même aller jusqu'au surintendant, c'est que vous allez vous entendre dire « Oh, je l'avais pas vu comme ça, j'y pensais pas ». Alors, c'est ça l'éducation, c'est-à-dire que commencer à éduquer même au plus haut niveau et descendre. L'enfant a travaillé avec ce qu'il avait, mais l'enseignant n'a même pas vu ce petit geste-là que ben, bien sûr que je dois avoir des crayons de couleur. Alors moi, comme conseillère scolaire, j'accompagne les parents en disant « Qu'est-ce que nous pouvons faire pour corriger ?» pour que demain, le prochain élève qui arrive dans la classe ou dans l'école, ça ne se passe pas. Alors, on est toujours en mode d'éducation, de correction et de changer les choses un petit pas à la fois. Et c'est dommage, mais c'est ce qu'il faut et c'est ce que je faisais aussi. Et justement, j'allais vous poser cette question, Madame Olga. Est-ce que les parents d'enfants noirs savent nécessairement reconnaître que leur enfant est victime de racisme, par exemple, ou est-ce que les parents d'enfants non racisés vont nécessairement savoir reconnaître le racisme eux-mêmes? Est-ce que pour vous, les conseils scolaires devraient, par exemple, sensibiliser les parents à l'antiracisme? Ben, je pense qu'avant même d'aller sensibiliser les parents, ils devaient eux-mêmes être sensibilisés. Parce que même à leur niveau, ils le savent pas ou le reconnaissent pas. Donc, plutôt que de venir sensibiliser les parents, commençons à les sensibiliser, parce que j'ai dû à faire des sensibilisations, au niveau du surintendant, puisque c'est après la direction d'école. Si un parent veut se plaindre plus haut, on va au surintendant, puis après ça, on va aux directions de l'école. Alors, nous devons commencer par en haut, parce qu'ils peuvent pas sensibiliser les parents quand eux-mêmes, ils sont pas sensibilisés, qu'ils reconnaissent pas ces microagressions. Regardez l'exemple que dit Kimberly. Il fallait aller jusqu'au surintendant pour avoir des crayons de couleur. Ça veut dire que l'enseignant n'a pas compris, la direction n'a pas compris, et il fallait aller au surintendant pour que quelqu'un comprenne. Alors, commençons par eux, d'être sensibilisés pour arriver avant, après aux parents. Parce que les parents vont le remarquer tout de suite, comme l'a remarqué Kimberly. Mais à leur niveau, ils l'ont pas remarqué. Il fallait continuer puis expliquer pourquoi vous ne devez pas avoir des crayons de toutes les couleurs qui sont déjà disponibles. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là. Ça commence par en haut. Oui, justement, Kimberly, il est apparu dans les échanges précédents que les parents peuvent avoir la sensation, en fait, que l'école n'est pas accueillante envers eux, qu'elle est fermée. Voilà, c'est un mot qui est revenu entre autres. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'école paraisse comme ayant des portes infranchissables pour un parent noir?
Je pense qu'on peut regarder la situation de deux angles, deux côtés. Tout d'abord, le côté accessibilité. Je pense que l'école, les institutions en général ont un travail à faire au niveau accessibilité, au niveau des outils qui sont utilisés pour communiquer avec les parents, au niveau du langage qui est utilisé, au niveau de quelles sont les opportunités qui existent pour justement avoir un échange enseignant et parents rapidement, se dire un petit bonjour en amenant mon enfant à l'école, ou quelles sont les mesures, quels sont les mécanismes qui existent pour être capable d'avoir des discussions inconfortables. Et je suis désolée, mais écrire une note dans l'agenda, les courriels, c'est pas le mécanisme pour avoir des discussions inconfortables. Pas du tout. Ah non? Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut regarder, on peut regarder cette question du côté, de l'inclusion. Cacher de se sentir différent parce que ses cheveux sont différents, sa peau est différente, sa nourriture est différente pendant l'heure du dîner et avoir un peu à se cacher, à avoir à performer dans une école pendant 8 heures de temps, absolument pas. Donc, je pense que c'est important pour les parents entre nous de s'empouvoirer et de se rappeler que non, 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 c'est notre droit, nos enfants y ont droit. C'est aux institutions de créer les mécanismes, de créer les environnements pour que nos enfants canadiens, franco-ontariens puissent s'épanouir. Yannick Lefond, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Qu'est-ce que ce que nos deux autres panélistes ont dit, qu'est-ce que ça évoque pour vous en ayant justement des jeunes enfants de 10, 8 ans et 4 mois? Mais bien évidemment, ça évoque les défis constants qu'on a comme parents noirs au Canada avec des enfants jeunes. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est l'importance de l'éducation dans ce que vont devenir nos enfants demain. Alors, les micro-agressions dont on parle pour des enfants qui sont en première année, même qui peuvent soit venir d'autres enfants, soit venir d'enseignants. Ont un impact sur nos enfants à l'avenir. On ne peut pas négliger le fait que chaque année qui passe comme ça et avec ces micro-agressions, on a un impact à long terme sur l'estime de soi, on a un impact sur ce qu'on peut devenir comme enfant noir au Canada. Moi, un de mes professeurs que j'ai, dont je me rappelle encore aujourd'hui, en classe de terminale, ça c'est en Afrique, au Bénin. C'est mon professeur de physique. Et la raison pour laquelle je me rappelle de lui, c'est parce que ce monsieur avait été super qualifié en physique, mais alors il écrivait tellement bien comme un prof de français et il parlait français comme un poète. Alors vous aviez tous un mélange comme ça dans un enseignant qui vous inspirait à vous dépasser et à aller plus loin. Donc c'est ça qu'on attend du système éducatif, c'est ça qu'on attend de nos enseignants, c'est ça qu'on attend des conseils scolaires. Et je pense que les parents ne sont pas en position de leadership ici. C'est-à-dire que vous êtes au conseil scolaire, c'est un système éducatif, on vous confie nos enfants. Je pense qu'il est important pour les conseils scolaires, les enseignants d'être proactifs, de reconnaître les minorités et les besoins des minorités. Ce n'est pas aux minorités de venir pleurer et dire OK, me voici, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à l'enseignant, c'est au conseil scolaire de reconnaître toute la panoplie d'enfants qui se retrouvent à l'école et même de prêter plus attention à ceux qui sont en minorité parce que l'histoire nous montre que c'est souvent ceux-là qui ne sont pas vus, hein, qui est déjà un problème. Parce que c'est pas seulement d'être agressé, mais même seulement le fait de ne pas être vu comme enfant, c'est un problème dans un système éducatif, mais aussi de pouvoir proactivement faire des efforts pour ces enfants-là. Donc voilà un petit peu les défis sont énormes pour les parents. Moi, j'ai plein d'exemples avec mes filles de micro-agressions, que ce soit au niveau des camarades de classe, que ce soit au niveau des enseignants. Moi, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, on est encore en train de parler, nous, parents, ou membres d'un conseil scolaire, d'aller sensibiliser un conseil scolaire. Pour moi, c'est plus normal que nous soyons encore en train de parler de ça.
les conseils scolaires ont quand même des procédures, ils ont des, il y a des politiques. Ça devrait faire partie des politiques. Le Canada évolue, le Canada devient de plus en plus divers. Donc, il faut agir. Et on ne peut pas non plus tout le temps demander aux parents de faire ce travail-là. Justement, Yannick Lefond, vous avez l'habitude de jongler avec les données dans votre vie de tous les jours grâce à votre entreprise où chaque mois vous écoutez les Africains et transformez les résultats d'enquête en données exploitables. Alors, la nécessité de récolte de données probantes et quantifiables et qualifiables par rapport au décrochage scolaire, par exemple, par genre, origine ou autres caractéristiques distinctives, ou alors, comme on le dit là, de récolter des données de ces mêmes micro-agressions et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est en retard? Est-ce que c'est quelque chose d'important qui devrait être fait? Absolument. Moi, je pense que il y a une chose qui est sûre avec les données. Les données ont cette capacité de transmettre des messages sans a priori et sans passion. Je veux dire, lorsqu'on vous présente une donnée, la donnée parle par elle-même et il faut soit on décide de d'agir, soit on décide de pas agir. À ce moment-là, on est responsable de ces actions. Donc, je pense que le manque de données, que ce soit au niveau des décrochages scolaires, que ce soit au niveau de la composition des écoles, que ce soit au niveau de la composition des conseils scolaires, nous crée problème. C'est-à-dire que pour les parents et pour les conseils scolaires et toute la communauté, c'est un problème. Bien évidemment, soit le système est fait de façon à ce que les données, on a peut-être un peu peur des données, mais j'ai envie de dire, la réalité, c'est qu'on ne peut pas, mesurer, on ne peut pas avancer sur ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, c'est important pour les conseils scolaires d'aller, encore une fois de plus, il y a des budgets pour ça. S'il n'y a pas de budget, les parents sont prêts à soutenir ces initiatives-là auprès des gouvernements locaux, avoir du financement ou des ressources pour aller chercher ces données-là et voir d'année en année comment est-ce qu'on évolue. Comment est-ce que nos enfants, j'ai envie de dire, moi, je serais prêt à faire des études avec des enfants pour savoir quelle est l'expérience aujourd'hui d'un enfant en première année, en troisième année, qui est issu d'une minorité dans un conseil scolaire. C'est de l'information qui est importante pour nous comme société, comme parents, pour pouvoir évoluer. Donc oui, il y a un besoin de données importants pour que ce soit au niveau du système éducatif, mais au niveau de la représentation des minorités au Canada en général, il faudrait que les conseils scolaires aussi s'y penchent. Si je peux me permettre, Yannick, est-ce que vous pourriez vraiment aller dans le fond? Donnez-nous un exemple de concret. Qu'est-ce que la récolte de données pourrait révéler et qu'est-ce qu'elle pourrait amener en fait comme nouvelle décision, par exemple? Exact. Alors, c'est simple. Aujourd'hui, on a un problème de décrochage scolaire, OK? Alors, si on veut régler le problème de décrochage scolaire, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais je pense qu'en moyenne, les jeunes issus des communautés noires au Canada, y a toute une histoire derrière, en fait, hein, décrochent plus que la moyenne canadienne. Donc, alors, s'il faut à un moment donné se dire que, premièrement, on parle de combien, c'est quoi le pourcentage? Combien, si on prend un échantillon de 100 jeunes noirs aujourd'hui dans nos conseils scolaires, au bout des 3 prochaines années, combien vont décrocher? Ok, si on se dit, ok, il y en a 20, donc 20% vont décrocher. Quelles sont les mesures qu'on va prendre au niveau des conseils scolaires, au niveau des parents, au niveau des gouvernements, pour ramener ces 20 à 10 au cours des 2-3 prochaines années? Alors, on implémente des mesures qu'on met en application et on mesure la prochaine année. Alors, si la prochaine année, on est toujours à 20%, eh bien, les mesures qu'on a mises en place n'ont pas marché. Donc, il faut changer, il faut rajuster. Et donc, voilà comment ces données, en fait, nous procurent comme système une espèce de feedback loop qui nous permet, premièrement, de savoir où est-ce qu'on en est. Deuxièmement, de savoir quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour résoudre les problèmes. Et troisièmement, si ces mesures qu'on met en place apportent les résultats escomptés. Et donc, tout le monde
et au courant, tout le monde a une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et comme ça, tout le monde peut travailler de façon cohérente pour régler nos problèmes. Donc, voilà un exemple concret de comment est-ce que des données aujourd'hui peuvent permettre de régler ces manquements-là au niveau du système éducatif. Merci beaucoup. Alors, je rappelle à tous ceux qui sont en train de suivre le débat sur les différentes plateformes de Echo Ambassadeur sur Facebook ou sur YouTube que vous pouvez envoyer vos questions en commentaire et puis nous allons tenter d'y répondre avec nos trois panélistes et également les représentants de système scolaire. Alors, je vais retourner vers Olga. Olga, quelle est, selon vous, en fait, quelle est la responsabilité des élus ou des conseillers scolaires et des directions des écoles dans le leadership pour mener des changements structurels pour éradiquer le racisme? Ben, écoute, d'abord, la première chose, c'est d'être à l'écoute de sa communauté. Parce que ce qui se passe, par exemple, ici en Ontario, ou dans ma région, n'est pas nécessairement ce qui se passe chez toi, Pamela, à Regina, par exemple. Donc, la façon dont le système scolaire ou les élus vont répondre dans ses besoins au niveau de ta communauté n'est pas la même que la mienne. Je veux dire au niveau de l'action à prendre. Mais le problème est toujours là. Comment est-ce que on traite nos enfants dans les écoles? Comment est-ce que on prend l'écoute des parents et des besoins pour que on puisse réduire le racisme systémique? Que ce soit à Regina ou en Ontario, le racisme systémique existe, mais c'est comment on l'implémente, comment est-ce qu'on réagit rapidement qui devient important. J'aimerais ajouter un peu à ce que Yannick a dit dans le sens où c'est dommage qu'en 2021, on est encore en train de parler de l'éducation des systèmes scolaires et de les informer. Mais c'est la réalité. Et quand je disais tout à l'heure que mes enfants ont peut-être eu un peu de liberté dans le sens où ils n'ont pas subi du racisme systémique, ça ne veut pas dire que dans ce temps-là, ça n'existait pas. Je parle seulement de mon cas personnel. Mais la réalité est que, comme communauté, comme personne immigrante, comme personne noire, je dois constamment être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se passe avec mes enfants, les enfants de des gens de ma communauté, et toujours l'apporter. C'est comme si on est constamment en mode d'éducation, mais il faut aussi de l'imputabilité. Il faut que il y a de l'imputabilité au niveau de ces conseils scolaires. Depuis 1995 à maintenant, oui, il y a des politiques qui ont été mises en place, même au niveau des élus, même au niveau du gouvernement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on puisse parler un peu plus ouvertement de racisme systémique, d'apporter même des mots à ça, implicite, racisme implicite. Il y a même un an, on parlait pas de racisme systémique, c'était juste entre nous. Alors, il faut maintenant de l'imputabilité dans le sens où si les conseils scolaires ont dit, ben oui, on a demandé qu'on change le curriculum ou bien qu'on change les lois, est-ce qu'on a des résultats? Ça revient maintenant à ce que Yannick dit, les données. Mais si les données ne sont pas collectées, il faut l'imputabilité dans ce sens-là. On va mesurer, mais les mesures se font, et pas seulement au niveau du conseil scolaire, mais même au niveau de l'école. Est-ce que ce que Kimberly a dit, qu'on amène plus de crayons de couleur dans l'école, est-ce que ça suffit? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce que vraiment l'enseignement de l'éducation, de l'histoire des Noirs est dans l'école, même au niveau de la classe? Qu'est-ce que l'enseignant fait? Alors, c'est toujours, oui, on est au niveau toujours éducation d'être à l'écoute, mais il faut aussi de l'imputabilité que s'il n'y a pas de résultat, ben, il faut qu'on agisse. Et c'est ça qui est un peu dommage, que c'est toujours en mode, on est en mode action, mais on est aussi en mode réaction. Le parent doit toujours aussi impliqué dans l'école. Moi, je vais toujours dire aux parents, nous ne pouvons pas laisser seulement ces responsabilités à dire, bon, le conseil scolaire, on leur a dit, ils vont faire quelque chose, on fait quelque chose.
moi, je suis impliquée dans l'école de mes enfants, je dois être impliquée dans l'école de mes enfants pour savoir ce qui se passe. C'est pas moi l'enseignant, mais je veux savoir. C'est ce qui est. Mais Olga, excusez-moi de vous interrompre. Oui, mais est-ce que pour vous, est-ce que tous les parents vont savoir reconnaître, par exemple, que leur enfant est victime de racisme? Parce qu'il me semble que ce n'est pas quelque chose de si évident que ça, moi-même étant parent. Absolument pas. Je peux vous dire ça, que c'est pas évident. Et souvent, c'est peut-être par l'intermédiaire d'un autre parent ou bien d'un autre incident qu'on se dit « Mais c'est important d'avoir des conversations avec ses enfants autour de l'école tous les jours. Et souvent, dans ces conversations, on va dire « ce qui s'est passé, là, c'est pas clair. » Vous voyez, l'exemple de Kimberly est un très bel exemple. Que il n'y a pas de crayon de couleur. Pourquoi? Ou l'enfant a amené son repas à l'école et puis on dit, ce que tu manges là ne sent pas très bon. Alors, c'est des petits actes comme ça. Et moi, je dis comme parent, des fois, c'est les conversations. Des conversations avec ses enfants. Comment a été à l'école aujourd'hui? Comment a été avec tes camarades? Comment ça a été dans la cour de l'école? Je disais toujours aux enfants, je veux avoir les actions juteuses de aujourd'hui, pas seulement ce qui s'est passé en classe, c'est ce que le professeur a enseigné, mais ce qui s'est passé aussi dans la cour de l'école avec ses enfants. Donc, c'est pas évident, et pas du tout, et je peux pas dire même que ça se détecte rapidement, même comme moi, comme parent, il faut vraiment que je sois à l'écoute pour vraiment le détecter, analyser. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Parce que des fois, on se questionne nous-mêmes pour être sûr que c'est vraiment clair. C'est pas linéaire, comme on dit, ah, on t'a traité de noir, on t'a traité avec des mots péjoratifs. C'est vraiment, des fois, implicite, ça veut dire vraiment, justement, systémique, c'est parce qu'on le voit pas. Je vais me tourner vers Kimberly. Pour vous, quelles responsabilités ont les élus et les conseillers scolaires et les directions des écoles dans le leadership, en fait, pour mener des changements structurels pour éradiquer le racisme? Oui, donc je pense que les élus ont justement cette responsabilité de protection, de validation, de s'assurer que les choses se font bien et qu'il y a du progrès. Je pense que les directions ont une responsabilité d'accepter leur vulnérabilité. Je pense qu'on peut parfois être tellement sous la pression, tellement vouloir bien paraître, tellement vouloir bien représenter son équipe, bien représenter son école, son institution, que on écoute, mais on n'écoute pas vraiment. On est tellement prêt à reformuler les choses, tellement prêt à présenter, repackager en bon franco-ontarien l'information d'une façon qui paraît positive, que on finit par rien apprendre. Donc moi, ce que je dirais aux directions d'école, c'est accepter votre vulnérabilité, accepter ce que vous ne savez pas, accepter l'expérience vécue que vous n'avez pas, prenez un pas de reculons, créez un environnement de confiance avec des membres de votre communauté et écoutez, comme madame a dit, écoutez, tout commence par écouter les vraies données, écouter la réalité et ensuite vous allez être capable d'agir. Mais sans accepter cette vulnérabilité, sans accepter que vous n'êtes pas l'expert en racisme ou en inclusion, alors que, bon, vous êtes une personne qui n'est pas marginalisée, mais on fera que tourner en rond. Merci beaucoup, Kimberly. Alors, je sais que vous deviez vous en aller, je pense, à 13h, avant la fin du débat. Donc, avant de nous quitter, nous allons recevoir tout à l'heure Monsieur Laurent Mukendi, qui est le directeur de l'école Monseigneur Rémy Gollin à Kingston, et également Yves Gérard qui va nous rejoindre, qui était avec nous mercredi passé. Quelles questions avez-vous par rapport à eux, qui représentent justement les conseils scolaires, avant que nous nous quittions, Kimberly? Oui, mais je pense que ce serait intéressant de mettre de l'avant peut-être un exemple de justement de mécanisme qui permet justement à la communauté, aux parents et à la communauté scolaire d'avoir des discussions inconfortables. Donc, lorsqu'il y a justement des cas de racisme, lorsqu'un prof ou un membre de la communauté scolaire se rend compte que
je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment gérer cette situation, ou qu'un membre de la communauté amène quelque chose, quel mécanisme, quel système existe pour que ces deux communautés-là peuvent s'asseoir ensemble puis dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je t'écoute, tu m'écoutes. Ce serait bien si monsieur pouvait mettre de l'avant un exemple justement qui fonctionne. Merci beaucoup, Kimberly. Si on ne se parle pas, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir rejoint, en tout cas, ce débat. Madame Olga, qu'est-ce que les divisions scolaires pourraient faire, en fait, pour rendre plus confortable le sujet du racisme? Parce que le sujet du racisme, là, il met beaucoup mal à l'aise. Comment briser la glace, selon vous? C'est commencer à avoir ces conversations, comme dit Kimberly, inconfortables, où j'ai appris un mot dernièrement qu'on dit ben, des conversations saines. Alors, moi, je dis toujours, les conversations inconfortables vont dans les deux sens, autant pour moi que de l'adversaire. Quand je dis l'adversaire, je me suis de l'autre partenaire qui est le conseiller scolaire. Je me souviens, quand j'étais conseillère scolaire, j'étais la seule personne ethnoculturelle culturel de race noire à la table. Et c'était la première fois pour un conseil scolaire en Ontario francophone pour ma région. Donc déjà, il y avait un malaise dans certaines conversations ou une remarque qui a été faite que j'ai corrigée parce que la personne donnait des exemples disant « Oh, j'étais dans une école, puis j'ai vu des têtes noires, j'ai vu des têtes jaunes, j'ai vu des têtes rouges. » Puis je dis, ça c'est pas des choses qui se disent. Alors, c'est toujours de pouvoir non seulement amener l'information, mais aussi ouvrir la porte à ces conversations inconfortables de plus en plus. Mais je dis toujours, moi, je vais pas au niveau du conseil scolaire parce que le parent n'a pas accès au conseil scolaire. Il a accès à son conseiller, il a accès à son école, il a accès à son enseignant. Le conseil va dire, ah, mais j'ai mis en place des politiques, j'ai mis en place des au niveau de l'éducation, au niveau du programme, des choses qui des programmes qui sont mis en place. Mais si l'enseignant ne le fait pas déjà dans sa salle de classe, encore dernièrement dans un autre débat, il a été dit que oui, au niveau du programme scolaire actuel de certains conseils, il y a la place à parler de l'histoire des Noirs. Mais c'est optionnel. Alors, si l'enseignant ne se sent pas à l'aise, il va pas le faire, ou l'enseignant choisit de le faire, il va pas le faire. Alors, où est-ce qu'on s'en va si justement, je parlais encore d'imputabilité? Il faut qu'il y ait ces conversations inconfortables. Il faut que la direction, comme dit Kimberly, soit vulnérable et puis soit aussi dire, je ne sais pas, mais avec l'enseignant, de dire, ben, je ne suis pas à l'aise avec ce sujet, je vais appeler un parent qui connaît, qui est peut-être de race noire pour ce thème de ce sujet, pour m'aider, pour m'accompagner. C'est-à-dire que, en ce moment-là, on a ces conversations inconfortables, mais on avance. Il y a des groupes de parents, officiels, je veux dire, qui se sont regroupés, qui existent, pour tous les parents. Mais il faut que nous aussi, comme parents noirs, nous soyons à la table. Si on n'est pas à la table de discussion et de décision, on ne peut pas avoir ces conversations inconfortables. Alors, c'est important, notre présence, mais aussi d'ouvrir la porte à ces conversations, qu'elles soient micro pour aller un peu plus haut jusqu'au niveau du conseil scolaire. Mais ça commence quelque part au niveau de l'école. Merci beaucoup, Madame Olga Lambert. Alors, je vais me tourner cette fois-ci à nos deux représentants des conseils scolaires qui nous ont rejoints. Alors, je vais peut-être accueillir en premier Monsieur Laurent Mukendi, qui est le directeur de l'école Monseigneur Rémi Golin à Kingston. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Mukendi, de nous avoir rejoints. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, Pamela. Merci. Oui, merci beaucoup de nous rejoindre dans ce débat. Alors, Monsieur Laurent Mukendi, qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'ici de différentes interventions de nos panélistes? Mais beaucoup de merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est un réel plaisir de participer à ce débat qui est très important. Je ne l'appellerai pas débat, mais échange très enrichissant qui nous permet de baliser les voies, bien sûr, vers cette société que nous voulons tous exempte de toute forme de racisme, particulièrement
pour les descendants d'origine noire ou le peuple noir et autochtone, c'est très, très riche. Beaucoup de points ont été soulignés. D'une manière succincte, je peux parler du point qu'a souligné Mme Kimberly lorsqu'elle parle de l'importance d'avoir dans les bibliothèques des écoles de ressources au niveau de la lecture des livres qui reflètent réellement cette diversité. C'est un point très important qui est pris en charge par notre conseil scolaire en appui avec les directions d'école pour enrichir réellement les bibliothèques avec cette diversité afin qu'elles soient accessibles à nos élèves. J'ai retenu le point de la sensibilité aux petites choses, aux actions qu'on peut qualifier parfois de petites, mais qui ont un grand impact. Il est très, très important que dans les milieux de l'éducation, cela est dit, cela est répété chaque jour aux éducateurs, il n'y a pas de petits gestes, parce que ce qui est petit pour moi peut être majeur pour un autre. Donc, un éducateur est appelé à être sensible, n'est-ce pas, au moindre geste. L'élément important ici, c'est ce qui est fait présentement au niveau de notre conseil, au niveau de la vulgarisation. Il est très important de connaître la culture de l'autre, de connaître comment l'autre fonctionne, comment l'autre voit les choses. Ceci rendrait, n'est-ce pas, nous rendrait tous sensibles aux petites choses qu'on peut observer et pour lesquelles il faut vite intervenir. Rapidement, vous parlez de M. Yannick qui a soulevé plusieurs points importants. Il a parlé d'être proactif pour préparer les jeunes de demain. Effectivement, au niveau du conseil scolaire, notre conseil scolaire particulièrement, nous avons une vision portée vers l'avenir. Et cette vision est incarnée dans ce que nous appelons, n'est-ce pas, le portrait de sortie. N'est-ce pas, le portrait de sortie de l'élève, où nous travaillons pour former des jeunes qui sont à la fois créatifs et inventifs, des jeunes qui sont, n'est-ce pas, épanouis, des jeunes qui sont engagés, en d'autres termes, préparés, n'est-ce pas, les jeunes responsables pour la société de demain. C'est ce que nous appelons chez nous le profil de sortie de l'élève. C'est un accent, ce profil prend une place très importante dans notre vie quotidienne en tant que conseil scolaire. Je vais aller rapidement vers Madame Olga. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle ait souligné l'importance de l'implication des parents. L'implication des parents dans la vie de l'école. Ceci manque beaucoup dans plusieurs de nos écoles. Il est très important que les parents s'impliquent. C'est en s'impliquant qu'ils vont être informés. C'est en s'impliquant qu'ils vont avoir place à la table. Une question a été soulignée ou soulevée ici par rapport à toute la question de communication, toute la question de partage de l'information. Il y a des structures qui existent. Nous avons des conseils d'école qui sont un cadre agréable ou important où les parents peuvent, en étant membres, participer activement à la vie de l'école. Au niveau de notre conseil scolaire, il y a un sondage qui est fait régulièrement chaque année, deux fois là, les sondages aux parents. Encore un outil qui est mis en place pour permettre aux parents, n'est-ce pas, de s'exprimer, d'exprimer leur point de vue, d'exprimer leur appréciation de tout ce que le conseil a mis en place pour soutenir et surtout assurer un milieu sain et exempt de toute forme de racisme, de discrimination ou d'harcèlement, sans oublier qu'il y a une politique en place qui est là pour soutenir, n'est-ce pas, ces actions au niveau du conseil scolaire. Voilà les premiers éléments que je peux nous partager à ce niveau pour répondre à votre question. Pamela, merci. Merci beaucoup, Laurent Mukendi. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, il y a une question que je voulais vous poser. On voit la réaction qu'il y a eu par rapport à la COVID, hein, qui a été assez immédiate. Alors, je vais vous donner l'exemple. La semaine dernière, ma fille a malheureusement été mise en quarantaine parce qu'il y a eu un cas de COVID dans sa classe. Alors, on a reçu une communication de l'école qui nous disait que elle allait être en quarantaine pendant une semaine. Alors, dans la même communication, on nous apprenait les mesures à mettre en place pour éviter de propager la COVID. On nous orientait vers des liens d'information. Et moi, je me demande comment ça se fait que jusqu'ici, par exemple, de mon côté, vous allez me dire si c'est différent en Ontario, comment ça se fait que je n'ai toujours pas reçu une quelconque information sur comment reconnaître le racisme? Comment expliquer que les parents ne reçoivent pas d'informations par rapport au racisme également? Comment le reconnaître? Comment devenir antiraciste? Est-ce que vous pensez que
les conseils scolaires pourraient mettre la pression ou mettre en place des mesures comme ça. Est-ce que vous pensez que les conseils scolaires ont quelque part la responsabilité d'éduquer également sur le racisme et l'antiracisme auprès des parents également? Effectivement, effectivement, mais c'est une entreprise qui englobe. C'est une entreprise qui va des structures gouvernementales, qui passe par les organismes tels qu'Eco Ambassadeur pour aller vers les conseils scolaires. Donc, c'est une action qui doit être concertée. Au niveau de conseils scolaires, il y a des politiques. Il y a une politique qui existe, par exemple, au niveau du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Nous avons la politique des luttes contre, n'est-ce pas, le harcèlement et le racisme en milieu scolaire ou en milieu d'apprentissage. Donc, cette politique existe et elle est mise à la disposition des parents. Donc, les parents peuvent y accéder et c'est une politique qui donne toutes les précisions par rapport à ce qui est prévu au niveau de l'école pour contrer, n'est-ce pas, toute pratique qui serait raciste ou harcèlement ou exclusion. Je vais peut-être me tourner vers Yves Gérard. Méou Loco, est-ce que vous nous entendez, Yves Gérard? Alors, oui. On me dit à la régie qu'il va être connecté tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Laurent Mokendi, d'avoir participé avec nous. Et je vais vous inviter de rester avec nous parce que je vois que sur Facebook, mais également sur YouTube, des questions commencent à venir. Donc, on va se tourner vers vous, éventuellement, après avoir parlé avec Gérard Méou Loco. Yves Gérard, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, Pamela. Comment allez-vous? Je vais très, très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre encore une fois. Alors, par rapport à ce débat aujourd'hui, est-ce que nous avons entendu de la part des parents d'abord? Quelle est votre réaction? Alors, c'est vraiment un débat qui est très, très important, celui-ci. Tout d'abord, je tiens à saluer vos invités que certains d'entre eux que je connais par ailleurs, et je suis très heureux que vous ayez choisi ces invités, parce que quand je prends le cas de Dada, parce que c'est comme ça que je l'appelle, Olga Lambert, qui a joué un rôle extrêmement important pour le Conseil scolaire Mon Avenir, justement, dans son rôle de conseillère scolaire et de véritable ambassadrice aussi du Conseil, qui d'ailleurs a été reconnue, soulignée et applaudie le rôle qu'elle a joué au cours des années. La raison pour laquelle je tiens à parler de cet exemple, c'est parce que c'est l'exemple, justement, de l'implication d'un parent. L'implication d'un parent qui a voulu influencer le système pour l'amener à changer. Et là où je veux en venir, et quand on parle des parents et de leur implication pour lutter contre le racisme, pour lutter contre les discriminations et pour influencer le système, c'est crucial pour la réussite, la sensibilisation et l'évolution des choses. Il faut comprendre, il faut se rappeler que nous sommes dans un pays, tout d'abord, où nous avons une chance en or de pouvoir modifier les choses, surtout dans le secteur de l'éducation. Pourquoi ? Les conseils scolaires au Canada et en Ontario en particulier sont de véritables instruments de la démocratie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nous avons des élus. Hein? Les conseillers scolaires sont élus par la population. Donc, par le fait même, déjà, le fait que les parents participent, l'école appartient donc à la communauté. Nous sommes des contribuables, nous payons des impôts en tant que parents et par le fait même, nous pouvons influencer par le choix des personnes que nous élisons qui vont siéger maintenant au conseil scolaire. Donc ça, c'est extrêmement important de prendre cela en considération dès le départ. C'est fondamental parce que l'exercice démocratique est un exercice de participation citoyenne et d'implication. C'est la même chose que nous faisons lorsqu'on agit et qu'on décide de modifier les choses au sein des gouvernements. Donc, c'est important pour les parents aujourd'hui, les parents afro-descendants, les parents d'origine africaine, les parents d'origine caribéenne. Si nous voulons changer les choses, nous devons être impliqués dans le système. Nous devons présenter, nous devons aller voter aux élections scolaires. Il ne faut pas être passif, il faut être actif. Il ne faut pas être réactif, il faut faire de la prévention. Donc, ne pas attendre que les autres aient voté, que les autres aient choisi leur conseiller scolaire pour réagir maintenant en disant « Écoutez, les écoles et les conseils scolaires ne font rien pour nous. » Ça ne fonctionne pas, ça.
Il faut absolument être au-devant des choses et dire, mais écoutez, si nous voulons que les choses changent, si en tant que parent, moi j'estime que mes enfants sont victimes de micro-agressions, que les choses doivent changer, non pas seulement pour les miens, mais pour ceux des autres qui sont comme moi, eh bien, il faut à un moment donné qu'on s'implique. Il faut à un moment donné qu'on soit candidat aux élections scolaires. Il faut à un moment donné qu'on soit candidat et qu'on soit présent dans les conseils d'école, justement. C'est crucial, cette implication de la part des parents. C'est le seul moyen d'influencer le système. Il ne faut pas oublier, ce sont les conseillers scolaires et le conseil scolaire qui décide des orientations stratégiques du conseil scolaire. Les directions d'école et l'administration ne fait que, c'est l'exécutif, ne fait qu'appliquer et mettre en œuvre ces stratégies qui sont décidées par les élus. Donc, soyez des élus, soyez des citoyens qui participent, soyez des citoyens éveillés, consciencieux, responsables également de la volonté de changer les choses durablement pour les enfants et pour éventuellement vos petits-enfants, bien sûr. Maintenant, pour ce qui est justement du rôle que ces élus-là vont avoir à jouer, une fois que les parents réussissent à entrer dans le système et réussissent à l'influencer, bien, il est crucial que les conseils se dotent maintenant de mesures claires en termes de reddition de comptes. Ça aussi, c'est fondamental. Les conseils scolaires doivent avoir des mesures de reddition de comptes. Tout à l'heure, l'intervenant précédent parlait justement des politiques dont sont dotés les conseils scolaires. Oui, certes, c'est important d'avoir des politiques. Mais maintenant, une fois qu'on a des politiques et que les politiques, en fait, il y a eu des manquements dans le système à l'application de ces politiques-là, comment est-ce qu'on corrige le tir? Comment est-ce que le parent qui note un manquement va corriger le tir? Il est important que les conseils scolaires se dotent maintenant de mécanismes neutres, de mécanismes indépendants qui va permettre aux parents de faire valoir leur point de vue. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'avenir. Alors, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que déjà, le ministère de l'Éducation l'a déjà ciblé, ça. Il faut mettre de l'avant des structures indépendantes de l'administration et de l'exécutif qui vont permettre ce genre de réaction-là et permettre cet accès-là aux parents pour faire valoir leur point de vue. Tout à l'heure, il y avait une mère, justement, qui disait, je pense que c'est Kimberly, qui disait, écoutez, comment est-ce qu'on fait pour se faire entendre? Bien oui, se faire entendre, effectivement, et elle a raison, parce que si des fois le problème auquel vous faites face est avec la direction d'école, qui va vous entendre? Le surintendant? Est-il sur le terrain? Est-il présent en salle de classe? Sait-il ce qui se passe dans l'école? Ou il va prendre en fait ce qui va lui être rapporté? Donc c'est très important d'avoir justement ce genre de système-là qui permet aux parents d'être entendus. Mon compatriote Yannick, un peu plus tôt, avait justement une analyse très intéressante sur la question de la collecte de données et notamment de l'importance des données. Je change un peu de sujet, si vous me permettez, Pamela, pour revenir sur cet élément crucial. Parce que la collecte des données, elle est fondamentale pour l'analyse, en fait, que nous allons pouvoir faire de la situation réelle, de l'évaluation que nous allons faire de ce qui se passe dans les écoles. Ces collectes de données sont importantes pour nous permettre d'avoir une compréhension des enjeux, de les identifier et donc maintenant de travailler sur le développement de solutions durables pour permettre d'endiguer complètement ces enjeux-là et de les mettre de côté et de maintenant faire face au futur. Donc, c'est important de travailler en prévention et c'est là que les parents doivent jouer un rôle crucial pour leurs enfants, mais pas juste pour leurs enfants à eux, mais pour les petits-enfants. Parce qu'imaginez-vous, plusieurs d'entre nous sont déjà deuxième, troisième génération. Et imaginez, donc, nos enfants, moi, je sais que les miens qui sont nés ici, bien, mes petits-enfants seront de vrais petits franco-ontariens. Et je tiens absolument à ce que les mesures soient déjà mises en place avant leur naissance, parce que je veux m'assurer de leur réussite, bien sûr. Je veux m'assurer de leur bien-être. Et c'est fondamental, ça. Il est important que votre fille, par exemple, la Regina, qui, je pense, doit fréquenter le Carrefour des Plaines, bien, ça va être important, justement. Ah non, on a une deuxième école. Il y a effectivement un environnement qui va lui permettre de s'émanciper, qui va lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Donc, c'est là qu'il faut que nous travaillions tous ensemble et les parents doivent s'impliquer, ne doivent pas attendre que le système agisse et à ce moment-là réagir. Il est important de travailler en amont. Merci beaucoup Yves Gérard. Juste entre parenthèses, Regina a eu sa deuxième
école élémentaire, qui est l'école du parc. Alors, je vais maintenant passer aux questions, hein, parce que on a des questions du public que les gens ont envoyées sur Facebook et sur YouTube. Alors, je vais juste sagement attendre qu'on reçoive la toute première question. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions. On va lire la première question, si elle s'affiche. OK. Alors, c'est la question qui nous vient de Sandrine B. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par s'impliquer? Tout le monde ne peut pas être au conseil d'école. Quels autres points d'entrée un parent a une fois qu'il entretient déjà? Alors, la question n'est pas terminée. Une communication régulière avec l'enseignant. Je peux répondre, Olga. Oui, dites-moi. D'abord, j'aimerais demander à ce parent qu'il dit que oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas besoin d'être au conseil d'école. Comment est-ce qu'on s'implique quand on a une communication régulière avec avec l'enseignant? Si c'est ce que j'ai lu, j'aimerais demander à ce parent, est-ce que l'enseignant de ton enfant te connaît? Quand je dis te connaît, pas par écrit, pas par l'agenda, physiquement. Est-ce que tu as déjà rencontré le parent, l'enseignant de ton enfant en dehors des communications quand il y a une rencontre de parents et enseignants sur le rapport de ton élève? Quel est le rapport que tu as avec ton enseignant? Est-ce que le directeur, la directrice de ton école te connaît personnellement? S'impliquer dans l'école de son enfant ne veut pas juste dire qu'il faut que on soit tous au conseil d'école. Et souvent, les conseils d'école, ils ont des réunions peut-être une fois chaque mois. Mais on dit aux parents, faites un tour. Est-ce que vous avez déjà fait un tour même pour savoir ce qui se passe au niveau du conseil d'école, pour savoir ce qu'ils font, ou dire, ah, voilà un peu ce que j'aimerais, mes inquiétudes. Et vous avez été une réunion une fois ou deux fois dans l'année. Est-ce que vous avez un temps d'après-midi pour dire, bon, ben je vais passer à l'école, je peux donner une heure de bénévolat ou une heure pour lire dans la classe. Il y a de toutes les façons de s'impliquer, pendant les vacances, pendant le mois de l'histoire des Noirs. Est-ce que vous pouvez dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour une activité dans l'école, ou bien on va faire une journée internationale. Aujourd'hui, on va amener des repas. Il y a tellement, tellement de façons d'impliquer que le parent ne peut pas dire, je ne sais pas, parce qu'on peut lui en donner des milliers d'exemples pour l'accompagner. Et c'est ce que je faisais. Je suis contente que mon frère Yves Girard a mentionné le conseil d'école, parce qu'avant de décider d'être conseillère scolaire, j'étais au conseil d'école. Dès que mon enfant était à la maternelle, j'ai commencé à m'impliquer dans l'école, malgré que j'étais informaticienne, que je travaillais à temps plein. Alors, j'allais de temps en temps, mais j'étais impliquée dans l'école. On me connaissait dans l'école. J'ai fait le conseil d'école jusqu'à ce qu'il sorte de l'élémentaire. J'ai commencé au secondaire, puis j'ai dit, non, il faut des changements. Quand je voyais qu'il y avait des besoins, c'est seulement à ce moment-là que j'ai décidé d'être conseillère scolaire, parce que j'ai vu la trajectoire et j'ai vu les besoins qu'il y a. J'ai besoin de savoir qu'il fallait qu'il y ait une place à la table pour justement parler de ce que les besoins ont pour moi comme immigrante, comme moi comme parent, pour un membre d'une communauté ethnoculturelle dans une région franco-ontarienne. Alors, le parent, pour moi, c'était une joie de les accompagner justement quand j'ai cette question. Comment est-ce que je peux accompagner? Peut-être qu'il est nouvel arrivant dans la région, il est nouvel arrivant dans le pays. Comment l'accompagner pour s'impliquer dans l'école? Plus on est visible, plus les choses changent. Et j'espère que ce qu'on a pu faire dans chaque région, dans ma région, a contribué à des changements, petits soient-ils, même justement, peut-être même irradier, c'est un peu de ces micro-agressions dans une école ou deux, ou un petit peu à la fois. Mais c'est important. C'est tellement, tellement important que le parent ne peut pas rester sur le côté. Je voulais rajouter cette question par rapport à l'implication des parents et surtout par rapport à la communauté franco-africaine. Je ne sais pas par rapport à vous, mais moi, quand j'ai grandi dans mon pays, en Afrique, mes parents étaient très impliqués à l'école. C'est-à-dire que mes enseignants, ils connaissaient mes enseignants, ils connaissaient, bref, ils nous connaissaient. Donc, lorsqu'on parle on a tendance souvent à dire que
les parents d'enfants d'immigrants africains ou autres ne sont pas impliqués dans le système. Encore une fois, je n'ai pas les données, mais moi, je vois aujourd'hui, chez moi, on est impliqué. Oui, par année, je vais participer à au moins une activité dans l'école. Je vais faire du bénévolat, distribuer la pizza au moins une fois. Mais est-ce que ça veut dire que mes enfants ne sont pas victimes de micro-agressions? Je pense qu'il faut comprendre aussi, il faut être réaliste, et se dire qu'on vit dans un pays où on est minoritaire. Donc, vous avez beau vous impliquer, on ne vous voit pas. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que parce qu'on est minoritaire, je connais plein de parents, je pense que vraiment le parent qui a posé la question peut-être se retrouve aussi dans cette situation-là, qui s'implique, qui donne au moins des heures de bénévolat dans l'école. Mais j'ai envie de dire, moi-même, quand je m'implique dans l'école de mes enfants, je ne suis pas sûr que ces parents qui me rencontrent pendant ces activités de bénévolat vont se souvenir que j'ai participé. Parce que probablement, j'étais le seul parent noir. Mes filles, elles sont depuis le jardin, elles sont minoritaires dans leur salle de classe. Donc il y a ça aussi. Donc, c'est pour ça que je remonte encore sur la responsabilité du leadership et du conseil scolaire. Je veux dire, on est minoritaire dans un pays et ça vient avec un désavantage dont on doit être conscient. Alors, ceux qui ont les rênes et ceux qui ont le pouvoir de soit changer les politiques, soit mettre des politiques en exécution, doivent prendre leurs responsabilités et s'assurer d'inclure et de voir ces minorités-là. Donc, je veux vraiment tirer l'attention dessus parce que je ne pense pas, en tout cas de mon expérience, que les parents noirs ne sont pas forcément ou sont ceux qui s'impliquent le moins dans les écoles. Je voulais vraiment mettre ça au clair parce qu'on n'a pas regardé aussi ce que les autres communautés et ainsi de suite. Donc, encore une fois, gardons les choses en contexte. Je pense que même si on s'implique, on est minoritaire et des fois, on ne nous voit même pas. Alors, il faut vraiment bien, je voulais insister dessus. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir signalé cela, d'avoir rajouté cela, Monsieur Yannick Lefond. Je vais maintenant inviter une deuxième question que nous allons découvrir ensemble. Alors, elle nous vient de Sandrine BTG Denteux. Alors, comment est faite la promotion du sondage de Via Monde? Quelles actions ont été prises après ces sondages? Quelles rétroactions ont été faites pour amener les parents à être confiants du processus et de l'utilisation concrète de leurs réponses? Alors, je pense que la question se tourne au conseil scolaire. Qui va commencer à répondre? Laurent Mukendi. Ben, merci, Pamela. La question est adressée à Viamonde, mais nous sommes dans la même réalité. Comment le sondage est vulgarisé? Premièrement, dans le plan d'amélioration chez nous, dans le plan d'amélioration, dans le plan d'enseignement individualisé de l'élève, le PEI, et maintenant ajouter une rubrique pour demander aux parents de cocher expressément qu'il veut participer au sondage et il nous donne ses indications. Pourquoi nous l'avons fait ainsi, encore une fois, pour revenir à la question de l'implication, c'est qu'on envoyait les sondages dans la communauté et on ne recevait pas de feedback. Donc, on a dû le faire ainsi pour créer une banque de données des parents qui s'engagent réellement pour recevoir, n'est-ce pas, ou participer à ces sondages. Par rapport à la rétroaction, Monsieur Laurent Mukendi, excusez-moi de vous interrompre, mais éventuellement, on va commencer à tout remettre en perspective. Et de quoi s'agit-il? C'est quoi ce sondage pour ceux qui nous regardent et qui ne le connaissent peut-être pas? Le sondage porte sur plusieurs questions. Il y a toute la question de la planification à l'école, toute la question de la connaissance des programmes d'études ou des curriculums, toute la question de la sensibilisation telle que question d'inclusion. Donc, le sondage est diversifié selon le besoin.
Et une fois que les résultats du sondage est reçu des parents, ces résultats du sondage inspirent les écoles dans l'élaboration de leurs plans d'amélioration. Une école qui est responsable va bâtir, n'est-ce pas, son plan d'amélioration pour répondre à la pour atteindre la satisfaction des parents. Et une fois au prochain sondage et que le plan d'amélioration a été atteint, le parent au deuxième sondage peuvent s'exprimer pour dire qu'ils ont été satisfaits ou pas, que leurs désidératants ont été atteints ou pas. Donc, tout ceci, encore une fois, se résume dans ce que Mme Olga a bien souligné et que Yves a bien souligné, la question de l'implication du parent. Monsieur Yves Gérard, mais où le co? Oui, alors merci beaucoup Pamela. Et effectivement, je pense que mon collègue Laurent Mukendi a à peu près tout dit quant au sondage sur l'explication. Il faut comprendre que la question du sondage, effectivement, est problématique pour les conseils scolaires. Et je m'explique. Nous avons un problème de participation générale à ces sondages. Quand on parle d'implication, tout à l'heure, quand je parlais de l'implication et de la nécessité des parents de s'impliquer, je vais vous donner quelques chiffres qui vont être assez éloquents quand il s'agit de l'implication, par exemple, aux élections scolaires. Les implications, le taux de participation aux élections scolaires est de l'ordre, varie là, entre 34 et 42 %. Vous imaginez à quel point c'est faible. Donc, en termes de légitimité maintenant, quand on regarde les conseillers scolaires, ils se sont présentés, mais très peu de gens vont voter. Et à certains endroits, ce taux de participation est encore plus faible. Alors, c'est vous dire déjà le problème que nous avons quant à l'intérêt même de la participation dans la vie scolaire. Et là, je parle de la population en général. Donc, je ne parle pas des communautés en particulier, je parle de la population en général. Donc, déjà, pour nous, c'est un enjeu majeur, celui-ci, parce que, on le sait, nous avons donc un gouvernement qui est élu, hein, on a des élus, une assemblée d'élus, de conseillers scolaires, qui ont été élus finalement par 30 % des personnes qui avaient le droit de vote. C'est très peu, c'est très, très faible, ça. Et donc, ça, c'est déjà un enjeu fondamental sur lequel il faut revenir. Donc, ensuite, Monsieur maintenant, Yves Gérard, quand on si parle je peux vous des sondages et de ce que nous faisons, oui, je vous en prie. Oui, est-ce que justement, en parlant de données, ces pourcentages que vous êtes en train de nous donner, est-ce que c'est des pourcentages qui vont révéler s'il s'agit de parents noirs ou afro-descendants qui participent ou qui votent ou qui se font élire? Est-ce qu'on récolte des données dans ce sens-là également? Non, pas par rapport à ça, pas au niveau de l'élection des conseillers scolaires. Malheureusement, on ne le fait pas encore. Ça, vous soulevez un point qui est très intéressant. La question, tout à l'heure, je parlais de la collecte de données sociodémographiques, qui est un nouvel exercice que le ministère de l'Éducation force les conseillers scolaires désormais à faire. C'est une collecte de données qui va se faire sur une base régulière. Au CPO, par exemple, nous en sommes à la phase expérimentale avant une mise en œuvre d'ici 2023 de cette collecte de données. C'est une collecte de données où on va vraiment demander, poser des questions sur les origines, en fait, même des enfants. Donc, quelles sont leurs origines? Sont-ils afro-descendants? Sont-ils d'origine arabe? Etc., etc. Toutes ces questions-là seront posées. Il y aura des questions également sur l'orientation sexuelle. Il y aura des questions également sur les questions des croyances religieuses. L'objectif de cette collecte de données sociodémographiques, c'est de donner un portrait complet de la clientèle des écoles. Le problème qui se pose maintenant avec la collecte de données sociodémographiques, c'est qu'il faut comprendre, et certaines personnes qui, comme moi, ont peut-être les cheveux blancs ou la barbe blanche, vont se souvenir qu'au Canada, il s'est passé quelque chose dans les années 90. Souvenez-vous, dans les années 90, lorsque vous présentiez dans un bureau de Service Canada, qui ne s'appelait pas Service Canada à l'époque, et que vous alliez chercher une carte d'assurance sociale, on vous posait des questions sur votre origine. Il y avait des questions qui étaient liées à la race dans le questionnaire, qui permettaient à Statistique Canada d'avoir des données. Mais très rapidement, donc au tout début des années 90, on a enlevé ces questions-là par souci d'inclusion de l'ensemble de la population. En faisant ça, c'est qu'on s'est enlevé de la collecte de données probantes au niveau maintenant des origines culturelles des répondants. Donc ça, déjà, c'est un enjeu aujourd'hui parce qu'on essaye maintenant de revenir avec ce genre de questions-là et c'est ce qu'on veut faire avec cette collecte de données sociodémographiques. Donc, nous n'avons pas actuellement dans les conseils scolaires l'information sur d'où proviennent les enfants exactement. On a
des chiffres, certes, mais ce ne sont pas des données exactes. Dans quelques années, nous espérons justement développer et avoir des données exactes pour nous permettre de bonifier l'offre de services basée sur les données qu'on va être en mesure de collecter et identifier maintenant les besoins des communautés que nous avons. Parce que ça va au-delà de la question de l'origine culturelle des enfants, ça va également au niveau de la croyance religieuse, etc., puisqu'on veut éviter l'ensemble des discriminations, essayer d'avoir un environnement qui est beaucoup plus inclusif. D'où l'importance, et comme Yannick le soulevait plus tôt, l'importance d'avoir des vraies données probantes qui vont nous permettre de développer maintenant des programmes et, comme Laurent Mukendi le disait, de développer aussi des politiques qui soit adapté à la clientèle que nous avons dans les écoles. Et ça aussi, c'est un enjeu en ce moment pour les conseils scolaires parce que nous n'avons pas encore ces données-là. Donc, c'est en cours, mais ce n'est malheureusement pas parfait pour le moment. Alors, je pense que si on n'a pas d'autres questions venant du public, en tout cas... Ah, on me signale à la régie qu'il y a une autre question qui vient de Régis Gachagaza. Merci beaucoup, Régis. Alors, quelle doit être la première réaction en tant que parent et en sachant que votre enfant est victime de racisme à l'école? Comment les parents doivent-ils s'y prendre pour protéger les intérêts de l'enfant? Est-ce qu'il y a un mot d'emploi, Monsieur Yves Gérard Méhouleco? Est-ce qu'il y a un protocole les parents doivent... Je ne sais pas si vous avez fait exprès de me poser la question. Moi, je suis commissaire en équité droit de la personne, donc c'est clair que c'est une question qui me touche directement. Moi, j'ai envie de répondre aux parents qui écrivent « Appelez-moi », parce que c'est clair que c'est inacceptable comme situation. Il est important, et je pense que la majorité des conseils scolaires ont des mécanismes internes pour... essayer de répondre à ces questions-là. Maintenant, je peux vous parler de mon expérience et de ce que moi, je mets en place au CPO pour essayer justement de répondre à ce genre de cas-là. Alors, c'est d'avoir un mécanisme robuste et indépendant de l'ensemble de la hiérarchie pour permettre à ce parent-là de se sentir maintenant en confiance pour amener ce signalement-là. Parce que, imaginez, votre enfant, ce que vous avez de plus cher, qui est victime de racisme, c'est-à-dire en fait d'une agression qui est basée sur son identité propre. Votre enfant est victime de ça, vous ne faites pas confiance au système. Ça entraîne généralement un déficit de confiance. Et donc, il est absolument nécessaire pour les conseils scolaires de se doter d'entités qui sont neutres et qui vont permettre maintenant d'analyser justement ce signalement-là de façon confidentielle, de façon neutre, de façon aussi diligente, bienveillante, pour essayer de comprendre maintenant d'où a pu provenir cette apparence de discrimination et surtout cette sensation ressentie par l'enfant et sa famille, parce que c'est ça qu'on veut essayer de corriger, bien sûr, on veut essayer de corriger cette perception que le parent peut recevoir et aussi corriger également le geste qui a amené justement cette perception de discrimination. Et donc, il est important d'avoir des structures qui ne font pas partie de l'administration, qui sont à part et qui permettent aux parents d'aller, de se sentir en confiance maintenant quand ils apportent ce type de signalement-là. C'est primordial pour la réussite et surtout pour rétablir un climat de confiance entre le parent et l'école, entre le parent et le système, entre l'enfant et son école également, ou l'enfant et son enseignant, ou la personne qui aura été à l'origine du geste qui a causé ce sentiment, qui est un sentiment d'injustice le plus profond qu'on puisse avoir, parce que être attaqué à cause de son identité propre et profonde, c'est ce qu'il y a de pire, en fait, qu'un enfant peut vivre. Mais si je peux me permettre, Yves Gérard, justement, comme on a la chance de vous avoir avec nous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, en fait, pour que dans les communications que les parents reçoivent, qu'il y ait également des messages sur le racisme ou sur l'antiracisme ou sur comment reconnaître que leur enfant peut être en train de traverser des agressions ou d'avoir des agressions racistes? Qu'est-ce qui manque pour que l'école communique avec les parents également sur ça? Oui, il manque beaucoup de choses, Pamela, beaucoup de choses. Beaucoup de travail est à faire. Je vais vous donner un exemple qui illustre bien cela. Maintenant,
on commence aujourd'hui à comprendre qu'un enfant qui est victime de discrimination, qu'un enfant qui est victime d'un acte de racisme, imaginez, nous sommes en 2021, on commence aujourd'hui à comprendre que cet enfant-là peut, à la suite de ces événements-là, développer des problèmes d'anxiété. Imaginez, on commence à se rendre compte de ça. On commence à se rendre compte dans les écoles de l'impact que ce genre de geste-là va avoir. Donc, la conversation commence, en fait, dans les écoles et dans les administrations sur cet enjeu-là. Maintenant, on doit aussi comprendre que les conseils scolaires et les écoles sont un microcosme de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que, mis à part le racisme, il y a malheureusement d'autres enjeux qu'il faut aussi prendre en considération. La question de l'égalité des sexes, c'en est une également dans les écoles. Les petits garçons qui ont des comportements désobligeants à l'égard des petites filles. Et donc, il y a toutes sortes de choses aussi que nous devons prendre en considération. Ce qu'il manque présentement aujourd'hui, ce n'est peut-être pas, ça dépend du conseil scolaire, je ne parlerai pas pour tout le monde, je peux parler du mien, c'est d'avoir la compréhension, l'acuité et de dire, bien écoutez, nous sommes conscients de notre réalité, nous sommes conscients qu'il y a un enjeu systémique et que nous avons la volonté maintenant de le corriger. Au CPO, par exemple, la directrice de l'éducation l'a dit publiquement, nous avons un enjeu et nous devons le corriger. Nous devons améliorer les choses, nous devons permettre à tous nos enfants d'accéder à une pleine réussite scolaire et accéder à leur plein potentiel et mettre tout ce qu'il faut en place pour cela. Maintenant, dans la communication aux parents, et de quelle façon est-ce qu'on va communiquer aux parents qu'on commence à faire des choses? Bon, au CPO, on a développé par exemple un site internet qui permet d'aborder des questions. Il n'est pas encore complet, on vient de le lancer, c'est tout récent, ça fait quelques semaines seulement. On a lancé un site internet qui permet d'avoir accès à des documentations sur l'équité, les droits de la personne et l'inclusion. Mais c'est tout récent. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais la volonté y est déjà. Graduellement, on va y arriver, mais au niveau, on a développé, les ressources existent, on va bientôt les publier pour justement permettre aux parents d'avoir accès à de l'information sur la réalité pour les enfants, par exemple, de 4 à 8 ans, d'avoir de l'information sur l'impact du racisme sur des jeunes enfants. L'identification, comment permettre de comprendre et de corriger les biais chez les enfants dès cet âge-là. Parce que on parle souvent, quand on parle de la question du racisme et des micro-agressions, on parle toujours de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Mais il y a l'enfant vis-à-vis de son père, vis-à-vis de son camarade de classe aussi, qui malheureusement peut adopter des comportements qu'il voit et qu'il répète de la part de qu'il emprunte à certains adultes. Donc, ça aussi, c'est à corriger. Là aussi, il y a un effort qui est à faire. Donc, très tôt, il y a une éducation qui est à faire chez les tout-petits, quels qu'ils soient, peu importe leur origine, sur la question des biais qui existent. Donc, là-dessus, il y a des communications qui vont se faire assez rapidement pour essayer de sensibiliser l'ensemble des parents à cette réalité-là, qu'on va commencer aussi à éduquer leurs enfants. Et que les enseignants également vont recevoir de la formation, de la campagne de sensibilisation auprès des enseignants et du personnel pédagogique sur la réalité du racisme et sur l'importance de prendre des mesures claires, l'identification des biais et bien sûr contrer la discrimination sous toutes ses formes. Merci beaucoup, Monsieur Mehou Loko. Nous allons prendre une dernière question avant de nous quitter. Nous allons la découvrir ensemble. Alors, comment TDSB arrive à collecter les données démographiques et autres? Or, ça semble un grand défi pour les conseils scolaires francophones. Alors, comme je vous ai dit, moi, je viens de Regina, en Saskatchewan. Et je ne saurais vous dire ce que c'est TDSB, mais éventuellement, Yves Gérard va pouvoir nous dire. Oui, alors, il s'agit du Toronto District School Board, le plus gros conseil scolaire au Canada,
qui est un TDSB et vraiment un conseil scolaire gigantesque. Et là, je veux revenir sur la collecte de données sociodémographiques peut-être, parce que ça va répondre à la question de notre intervenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a peut-être un peu de contexte et du recul à avoir par rapport à cette collecte de données sociodémographiques pour comprendre ce que c'est. La collecte de données sociodémographiques, en fait, est imposée par le ministère de l'Éducation au conseil scolaire. Elle découle en fait de la loi antiracisme de 2017 qui a été votée en Ontario, adoptée à l'unanimité et qui en fait maintenant s'impose à l'ensemble des conseils scolaires de la province. Tous sont inclus. Bon, TDSB a déjà beaucoup d'avance par rapport à l'ensemble des conseils scolaires ontariens. Il faut comprendre que la question de la collecte de données sociodémographiques ne se fait même pas dans l'ensemble des conseils scolaires anglophones. TDSB a commencé, York District School Board également aussi le fait déjà depuis peu, et la raison est simple, c'est que ce sont des conseils scolaires qui ont été aux prises avec de gros enjeux dans le passé, et notamment au milieu des années 2010, où il fallait absolument corriger la situation. Et c'est ce qui a amené notamment à l'adoption par le ministère de l'Éducation de notes politiques pour essayer de pousser en ce sens-là. On a donc développé, le ministère de l'Éducation a donc développé ce concept de collecte de données sociodémographiques. TDSB est le premier conseil scolaire, bien sûr, qui l'a mis en place. TDSB l'a adapté à sa réalité. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes tous dans l'obligation d'ici 2023 pour les conseils scolaires publics, et j'insiste, publics. Donc, les conseils scolaires confessionnels, puisque vous le savez, en Ontario, nous sommes encore une des rares provinces canadiennes parmi les deux qu'il reste, en fait, avoir des conseils scolaires publics et confessionnels. Donc, la réalité ontarienne, c'est que d'ici 2023, les conseils scolaires publics doivent effectuer cette collecte de données sociodémographiques. Malheureusement, tous les conseils ne sont pas prêts à faire cette collecte de données sociodémographiques pour le moment. Le CPO est le premier conseil scolaire francophone qui sert, en fait, de projet pilote pour cette collecte de données sociodémographiques. Donc, nous allons, nous, la lancer soit l'an prochain ou en 2023, mais déjà cette année, nous lançons un premier test pour nous donner déjà une idée sur la méthodologie et ce que nous allons faire justement de ces données. Bien entendu, certaines des données que nous allons collecter seront partagées avec le ministère de l'Éducation pour fin d'analyse et par la suite, ça va nous permettre nous aussi de dégager certains programmes et d'avoir une bonne connaissance sur l'ensemble de nos communautés. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour répondre à l'intervenant, TDSB a de l'avance par rapport aux autres conseils scolaires, mais les conseils scolaires francophones également, sur public, j'insiste, sont tenus eux aussi d'ici quelques années de mettre en place cette collecte de données sociodémographiques. Donc, c'est quelque chose qu'on verra dans l'ensemble des conseils scolaires publics. Merci beaucoup, Monsieur Mehou Loko. Alors, je vais donner une dernière fois la parole à nos deux panélistes avant que nous nous quittions. Nous sommes encore avec Madame Olga Lambert et Monsieur Yannick Lefond. Une réaction par rapport à aux réponses que nos deux représentants du conseil scolaire ont données avant de nous quitter très rapidement. Mais déjà, je voudrais remercier les représentants des conseils scolaires pour toutes ces clarifications. Très heureux de savoir qu'il y a des, au niveau de la collecte des données, au niveau de politique, qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, au niveau du leadership, parce que pour moi, c'est important que tout ça parte de ceux qui ont les rênes du pouvoir, on va dire, pour pouvoir mettre ça en place. Donc déjà, on va suivre. Et on espère que très rapidement, ce sera fait dans tous les autres conseils scolaires. Puis aussi remercier les panélistes et juste vous dire que pour moi, revenir un petit peu à la question du début de l'histoire du mois des Noirs, qu'est-ce que ça représente comme parent francophone au Canada, c'est l'opportunité. Déjà de se retrouver comme communauté, et pour moi c'est très important. Donc au-delà de tous les combats que nous menons pour se faire voir et devenir visible dans ce pays, c'est déjà bien que nous nous retrouvons en tant que communauté, et je suis bien content de voir
tous les représentants au niveau des parents et au niveau des conseils scolaires ici, représentant notre communauté. Donc le travail, on va continuer le travail. Je vais terminer avec une anecdote, juste pour donner une idée en fait de l'impact que ça a aujourd'hui, si on ne règle pas ces problèmes aujourd'hui et à ce niveau-ci. Quand je travaillais pour une banque au Canada, j'étais beaucoup impliqué dans l'inclusion et la diversité à l'intérieur de la boîte. Parce que c'est des problèmes qui vont nous poursuivre, en fait, suivre nos enfants jusqu'au milieu du travail. Et je me suis confronté au fait que, malgré le fait que je voulais pousser l'inclusion, la diversité dans cette compagnie, je n'étais pas capable de le faire tout simplement parce qu'on n'avait pas de pipeline. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de jeunes on n'avait pas assez de jeunes à l'université dans ces programmes-là pour pouvoir avoir un bon pool de gradués pour avoir des employés. Et donc, tout ça vient d'où? Quand j'ai rencontré certains jeunes qui m'ont dit, ça vient de mon éducation, ça vient de mon école, ça vient de mon enseignant, qui, malgré le fait que j'étais dans une école qui était majoritairement noire en termes d'étudiants, mes enseignants étaient majoritairement non noirs, et ça créait en fait le problème qu'on a aujourd'hui, qui est que je ne pense pas ou je n'ai pas été éduqué à penser que j'avais des chances de pouvoir exercer cette profession-là. Donc, c'est fondamental, encore une fois de plus, qu'on essaye de travailler sur ces problèmes à la base, parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. Notre inclusion dans le monde de l'emploi pour nos enfants aussi va être impactée. Et donc, je remercie encore une fois plus Eco-Ambassadeur d'avoir organisé cette discussion très enrichissante. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Yannick. Quant à vous, Madame Olga, votre réaction? Il y a tellement à dire que je pense qu'on passerait l'après-midi, puis c'est tellement enrichissant. Pour ne pas oublier personne, je vais remercier Eco-Ambassadeur justement pour ses actions d'avoir des différents panels à différents moments de l'année pour justement avoir ces conversations saines. Remercier Monsieur Mukendi qui justement donne un petit portrait de l'image de nos écoles francophones, un miroir un peu dessus. Mon frère Yannick Lefant qui nous parle justement de données et qui est vraiment très important, pas seulement au niveau scolaire parce que là on parle d'éducation. C'est dommage que dans 2 ans, si on revient parler de ce thème, on va parler encore de collecte de données qui manque. Il y a 2 ans, j'ai participé à un panel où il y a été même un article dans le journal de collecte de données et cibler les communautés ethnoculturelles ou même autochtones où il manque de données au niveau de la santé. Comment est-ce qu'on peut traiter? Il y a certaines maladies qu'on va dire qui est peut-être plus prominente dans certaines personnes, mais il n'y a pas de collecte de données. On a parlé au niveau de l'équité salariale. Mon frère Yves Mehouloukou, Yves Girard en a beaucoup parlé. Alors, la collecte de données est tellement, tellement importante à tous les niveaux démocratiques et plus particulièrement encore au niveau de l'éducation dont on parle ici. Merci à toi, Pamela, d'être cette modératrice au pair, d'amener les questions et puis les sujets qui est important. Alors, je reviens encore comme ancienne conseillère scolaire, comme parent, que c'est dommage qu'en 2021, il y a encore certaines choses pour lesquelles je me battais en 1995 jusqu'en 2010, que 11 ans plus tard, après que j'ai quitté le conseil scolaire comme conseillère scolaire, on en parle encore, qui est comment est-ce qu'on peut avoir les parents, l'implication des parents, non seulement, mais une place à la table. Pourquoi est-ce que les conseillers scolaires, comme insistent dessus, les élus, ne font pas leur travail? Alors moi, je reviens toujours à ce que je fais. Il faut qu'on ait notre place à la table pour que les choses changent, parce que quand on en parle, qu'on pousse, les choses changent. Si on laisse seulement nos élus, ça se fera pas. S'il faut qu'on soit les élus, ben c'est là qu'on a notre place à la table. Et une fois qu'ils ont mis les choses en place, comment est-ce qu'on les mesure, comme l'a souligné Yves Girard, et imputabilité, qu'il soit imputable. Mais le changement commence par nous et chacun un petit peu à la fois.
Le parent n'a pas besoin d'être tout le temps à l'école pour être visible, mais sa voix compte au moment des élections, au moment de qu'on parle du curriculum, au moment des petites actions dans le mois de l'histoire des Noirs. Insister que l'enseignant, pourquoi il n'y a pas d'action pour le mois de l'histoire des Noirs? Pourquoi il n'y a pas d'action? Je vois rien dans ce que ramènent mes enfants qui parlent de l'histoire des Noirs. Alors, toutes ces actions que nous menons ne sont pas vaines. Ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas vain parce que les parents nous écoutent et vont aussi agir. Les écoles nous écoutent. Monsieur Mukendi est là. Et alors, ce que chaque action qu'on pose maintenant fait l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, comme l'a souligné. Alors, merci à chacun, à ces organismes qui éclosent, direction d'école qui écoutent, que chacun nous continue à pousser pour que les choses changent, chacun à notre niveau. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Et j'espère que ce débat va continuer avec d'autres pour qu'on ait toujours des choses à changer et à corriger et améliorer surtout. Merci beaucoup, Madame Olga. Je vais remercier tous les panélistes de ce soir. Merci vraiment, c'était très enrichissant. Merci au conseil scolaire qui nous ont envoyé leurs représentants. Merci Monsieur Laurent Mukendi, Monsieur Yves Gérard Mehou-Leco. Merci à tous les autres panélistes. Je rappelle à tous ceux qui sont en train de nous suivre que c'est un troisième débat en fait qui a été organisé dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs par Echo Ambassadeur, que vous pourrez toujours aller revoir sur YouTube, mais également Facebook. Les deux premiers débats, celui de samedi dernier était avec des aînés, mais également des leaders communautaires. Celui de mercredi dernier était avec des jeunes de la communauté ontarienne. Alors, à la modération, c'était Pamela Kazekale. Si monsieur le représentant de Eco-Ambassadeur est encore avec nous, je vais lui laisser la place de nous dire un dernier mot éventuellement. Mais quant à moi, c'était tout un plaisir, en tout cas, d'accompagner ces discussions. Merci Pamela, merci tout le monde, merci à tous les panélistes. Ce fut un grand plaisir d'écouter les parents aujourd'hui à l'issue du troisième débat et dernier de la série. Alors, je vais juste clore en vous disant un grand merci. Je vais me référer à mes notes par rapport à ce qui a été dit. Alors, aux élus, conseillers scolaires, conseillères scolaires, aux directions d'éducation, aux surintendants, l'écoute, messieurs. On n'aimerait pas, dans 6 mois ou dans 2 ans, se retrouver sur cette table de discussion et encore avoir à parler des données. Et encore avoir à se poser la question, est-ce que le racisme existe vraiment? Est-ce que le racisme anti-noir existe? Oui, il existe bel et bien. Et il y a longtemps, que les mesures correctives auraient dû être prises. Révision des comptes, messieurs, mécanisme indépendant, il y a tellement de possibilités, messieurs et dames, que la communauté vous regarde, les parents vous regardent, les jeunes vous regardent. Un grand merci à notre bailleur de fonds, Patrimoine canadien. Un grand merci à tous nos auditeurs. Merci et à la prochaine. Le mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de rendre hommage aux personnalités afro-descendantes qui ont marqué l'histoire. C'est aussi le moment de mettre en lumière les conditions socio-économiques des Noirs au Canada. Dans cette optique, Eco-Ambassadeur vous invite à participer à sa série de 3 conférences virtuelles du 27 février au 6 mars 2021 sur le racisme, l'équité et l'antiracisme dans l'éducation en Ontario. Saisissez donc cette opportunité pour partager votre expérience et proposer des pistes de solutions concrètes. Inscrivez-vous dès maintenant à ecoambassadeur.eventbrite.ca. Ensemble, engageons-nous dans un dialogue pertinent et constructif pour aller vers une véritable transformation.